Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 septembre. Je vais à la concession JSL Auto à Aubagne, IG Microcar, et je vais vous montrer un modèle qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc je pense que vous savez de quoi je parle, donc je vais aller de ce pas. Allez, à tout à l'heure. MGO qui est sorti en 2016, la Highland X. Maintenant je vous présente la Microcar MGO X qui est sortie cette année. Le modèle me fait penser plutôt à soit un modèle de chez Volkswagen, un modèle de chez Fiat et de chez Citroën au niveau des phares. La coupe a été restylée. Elle me fait penser beaucoup à un modèle des années 90, fin 90, début 2000. Sur ce modèle, moi je vois plutôt à la fois le passé et le futur, avec ce beau capot qui est comment dire, à la fois enfoncé et avec une aération plutôt bombée, qui est plutôt pas mal. Les phares, franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis ces beaux phares magnifiques. Ça change de ce qu'il y avait auparavant. On a les feux LED, pas qu'une fonction de feu de jour, mais à la fois on peut faire à la fois ils se mettent en clignotant et en warning. Et ça, je vous montrerai après. On a les feux de brouillard, ce beau pare-choc, et ça qui me rappelle beaucoup l'ensemble du pare-buffle. Comme si le pare-buffle était encore là, mais bon, ils l'ont supprimé. Et c'est quand même pas mal, je trouve. Aussi, on a une belle visibilité bien cachée au niveau du refroidissement. Ah, je la trouve vraiment pas mal cette voiture, je la trouve magnifique. Je préfère plus, sincèrement, moi de mon avis, je préfère plus celle-ci que la précédente, même si la précédente elle avait un look particulier. Et c'est vrai que même quand on la regarde, elle est vraiment pas mal aussi. Et celle-ci, comme j'ai dit tout à l'heure, me fait rappeler beaucoup au passé. Alors, on a un balai d'essuie-glace, comme on peut le voir ici. On a des rétros noirs. Il y a une option qui est sympa. En fait, on a la possibilité de choisir soit des rétros rouges ou des rétros noirs. Et ici, on a la possibilité de soit d'avoir en rouge ou en noir au niveau des galeries. Des jantes. On a deux types de jantes. Des jantes 15 pouces. Coloris noir bicolore argenté. On a le capuchon argenté comme on peut voir ici.
microcar, ou soit on l'a en noir aussi qui est pas mal. On a l'étrier rouge. Franchement, je trouve vraiment pas mal. Au niveau des portières, on a une baguette qui a été rajoutée. Et même, je trouve qu'au niveau du garde-boue, ça a quand même changé. J'ai l'impression que les anciennes étaient un peu plus grosses et celles-ci se sont rapetissies. Il y a une poutre au niveau des portières. Au niveau des portières, on a toujours cette ouverture comme une Twingo. Voilà. Le logo X. MGO X. Derrière, on a les vitres teintées qui est vraiment sympa. Ensuite, on va faire le tour de la voiture ensemble. Voilà pour vous montrer un peu l'ensemble de la voiture. Voilà. Ensuite, on a des feux clignotants juste ici, qui est pas mal. Ici, l'arrière, ça a un peu changé. Enfin, moi de mon avis, les caches, les phares. Alors, si on regarde l'ancienne, voilà, on voit que c'est passé d'une sorte de gris à une couleur mate. Le logo MGO DCI Microcar. On a droit à un balai d'essuie glace, à peu près le même que j'ai sur ma voiture. Le béquet, il s'est, on peut dire, enfoncé, qui est plutôt pas mal. Fini le pare-buffle. Maintenant, on a droit à ce petit pare-choc magnifique, qui est plutôt pas mal. Et comme sur l'ancienne, on a la initiale, la plus et la MGO X. Il n'y a plus la dynamique, il n'y a plus la premium. On a cette belle ligne qui est magnifique, j'adore ça. Ça se suit comme ça. Alors, je vais vous ouvrir à l'intérieur. Je vais vous montrer aussi les clés. C'est les mêmes que sur la Ligier. Voilà. Pareil. On a même la clé de secours, au cas où. Allez, je vais ouvrir la voiture. Alors, les panneaux de porte, ça n'a pas changé. On a toujours ce petit rangement qui est ici. Des poignées ici, à peu près les mêmes portes que chez Ligier et Microcar, parce qu'il faut savoir que Ligier et Microcar ont les mêmes pièces en commun. On a les rangements ici, un bel haut-parleur, et comme toujours, une caisse qui rallonge la voiture, je dirais le bas de caisse qui rallonge la voiture. L'intérieur, au niveau des sièges, ça a beaucoup changé. On a des sièges maille simili-cuir, avec un ensemble 3D. 3D, c'est au niveau des billes qui sont ici, qui donnent une optique assez éclairée. On a toujours l'ensemble sur la MGO X, le Flex Heat, c'est-à-dire qu'on peut rabattre le siège pour une charge de 1500 litres au niveau du passager. L'ensemble de la voiture a pas trop changé au niveau de l'intérieur, ça a gardé comme c'était avant, l'aspect pratique et l'aspect utile. On va remonter. Voilà. Mettre à l'intérieur. Alors, c'est bien sonorisé, comme sur l'ancienne. Ça me plaît, frère. Ce qui me plaît dans ce genre de voiture, c'est que à la fois c'est bien sonorisé, on a vraiment une belle vue sur l'ensemble, c'est-à-dire qu'on voit le bout du capot. Et cette voiture, ce qui me surprend, c'est que à l'intérieur, on a un espace incroyable. Et quand on regarde l'extérieur, ça paraît petit. Qu'est-ce que j'ai à dire? Aussi, j'avais oublié de vous dire. Alors, il y a la initiale, la plus, la MGO X. La initiale, c'est toujours pareil. La initiale, on peut avoir de série les feux LED, ensuite des jantes en 15 pouces avec couleur alliage bicolore noir brillant. Et on a droit aussi à 3 ans de garantie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, assistance.
On a la plus, alors sur la plus, on a initial, j'avais oublié de vous dire aussi, on a la couleur blanc glacier. Et sur la plus, je reviens sur la plus, on a plusieurs couleurs. On a rouge Toledo, blanc nacré, blanc glacier, gris aluminium, bleu riff, bleu nuit, couleur bronze. De série, on a les feux LED. On a une, comment on va dire, on peut soit choisir mettre le toit noir ou garder la couleur de carrosserie de l'ensemble. On a droit à la cloison qui est juste derrière ici, là. Hop, je vous montre. Des options, on a la possibilité soit d'avoir un poste simple avec Bluetooth, un DIN, ou soit l'écran tactile comme celui-ci. Caméra de recul. Et sur la Amgo X, alors sur la Amgo X, on a un look SUV avec même sur la plus, on a le droit aussi à un volant avec un airbag. L'ensemble de la carrosserie est renforcé. Alors l'intérieur, au niveau des compteurs, ça n'a pas trop changé. C'est toujours aussi magnifique avec ce beau volant. Moi, je l'aime bien. L'aspect rangement qui est ici, avec une belle capture, l'écran Pioneer. En option sur le DSI, on peut avoir on appelle ça la clim, autant pour moi. On peut avoir aussi peut-être le cendrier qui va avec, comme sur la Amgo, un branchement pour le téléphone, un point inverseur comme sur la JS50. Avec clim ici, clim de ce côté, fermeture des portes, la vitre ici, en main. L'intérieur sur la plus, ça peut être éclairé. Et là, on a l'allume-cigare qui est juste ici. Voilà, l'intérieur qui est pas vraiment pas mal, comme sur l'ancienne, comme j'ai sur ma JS50. La capucine, alors ça, franchement, ça me régale la capucine parce qu'on a vraiment la possibilité de rangement incroyable. Ça, j'adore ça, franchement, c'est pas mal. On a une bonne capacité, on peut mettre ce que l'on veut, c'est vraiment sympa. Donc voilà, maintenant on va passer côté coffre. Alors, côté coffre, c'est comme avant, la petite poignée qui est ici. Voilà. J'ai pas oublié les clés avec moi. Alors le coffre, il est immense. Voilà, c'est l'un des plus grands coffres dans le domaine de la voiture sans permis, avec une bonbonne anti-crevaison motule. On a un bon ensemble de rangement. La cloison qui est ici. Voilà, et si on rabaisse le siège, je vous montrerai tout ça tout à l'heure, si possible. Comme ça, je vous montrerai ce que c'est le flex. Voilà, l'ensemble de la voiture. Je vais vous montrer le partie moteur. Alors, voici l'ensemble du moteur. Voilà, le capot qui est pas mal. Qui est bien. Par contre, il n'y a plus le cache. Il n'y a plus le cache anti-bruit. On l'a enlevé. Maintenant, il y a ça. Tout l'ensemble. Et le compartiment a beaucoup changé, je trouve. Voilà. La glace toujours ici, mais on a plus de rangement. Voilà. On peut enlever facilement ici les phares. Enfin, les ampoules. Le lave-glace. Refroidissement liquide. L'huile qui existe ici. Liquide de frein. La courroie ici. La grosse qui est ici. Voilà. Et l'alternateur. Voilà. Et l'intérieur, voilà. On voit même une vue sur l'amortisseur. Ouais. C'est pas mal quand même. Voilà, au moins on a la possibilité de mettre ce qu'on veut. Enfin, quand on bricole, on peut mettre au moins ses outils ici. C'est ce que je fais moi. Après voilà. Je n'ai pas à faire démarrer parce qu'on est en pleine galerie. Voilà. Et en plus, il y a un peu de monde. Voilà. Voilà ce que ça donne quand les sièges sont rabattus. On peut enlever la cloison et mettre un vélo. On a même une attache ici. C'est vraiment pas mal.
Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette voiture, franchement. Et ça plaît beaucoup de consommateurs de ce modèle-là. C'est pour ça que si elle s'est bien vendue dans. Je parle de l'ancienne aussi, elle s'est bien vendue sur le marché européen. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la voiture. Je crois que j'ai carrément détaillé tout. Vous demandez un peu plus de renseignements. N'hésitez pas à me poser des questions. Et je vous dis à bientôt. C'était James Roy du 13. Et je vous dis bye bye et bonne route. Ciao.